Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager les vidéos. En tout cas, merci toujours pour vos commentaires. Voilà, donc je voulais juste vous montrer. Donc là, je suis devant le consulat parce que je dois faire la déclaration pour nationalité pour Hayat. Et donc j'ai pris rendez-vous au consulat parce que là, tout se fait par rendez-vous. Et donc là j'attends parce qu'il me reste encore un petit peu, je suis un petit peu en avance. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer, j'ai toute mon équipe là, avec qui je vais voyager. Bah, bien sûr, le voyage avec eux c'est dormir. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Je voulais vous dire que maintenant pour avoir un certificat de copie intégrale de mariage, il faut la demander en France. Chose que je trouve ça vraiment aberrant. Alors que le mariage était célébré à Agadir, je dois demander le papier en France. Donc ça met à peu près 3 semaines pour avoir un papier. Ce papier-là, j'avais besoin pour faire le visa. J'avais besoin de ce papier-là, donc je suis obligé d'attendre maintenant 3 semaines pour avoir ce papier-là. Donc je trouve ça vraiment aberrant. Je comprends pas le gouvernement, je comprends pas ces choses-là, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Pour demander, alors que le mariage était célébré, si avant on demandait le papier, on avait tout de suite le papier, dans la journée vous avez le papier. Et maintenant il faut attendre 3 semaines pour avoir un papier. Donc vraiment, je me pose des questions, vraiment, je me pose la question, pourquoi cette procédure? Après, bon, quand je vois que beaucoup de visas ont été refusés, on se pose vraiment des questions sur ce qui se passe, quoi. Vraiment, même le consulat ne comprend pas non plus pourquoi c'est comme ça. C'est quand même des choses, c'est quand même aberrant, quoi. Donc vous devez attendre 3 semaines pour un papier. Non mais franchement, j'ai pas compris. Alors que c'est un truc qui est enregistré, ça va être vite fait. Il n'y a qu'à ressortir dans les archives, envoyer par mail et c'est fini, quoi. Non. Vraiment, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Donc vraiment, là-dessus, je pense que les gens devraient se plaindre, faire bouger un peu les choses, parce que vraiment, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Voilà. Bon, en tout cas, je vais aller à mon rendez-vous. À tout à l'heure. Voilà, comment c'est vraiment très très beau. Hein. Je n'ai rien à dire. Là maintenant, on va marcher 10 minutes ou bien 5 minutes de marche. Après, après on va arriver, je crois, sur 2 tunnels. C'est que j'en sais, mais en tout cas. Ozu, c'est vraiment un village très très bien. Bien fait. C'est la nuit, on a passé la nuit au Kasbah Oum Hani. Donc on a la fiche. Ouais. Donc un petit hôtel, une maison d'hôte. Très sympa. Tu veux pas aller? Non. Très sympa, le propriétaire. Le personnel est très sympa, vraiment une très belle expérience. Voilà, c'est simple, mais
mais comment dire, il y a tout, voilà. Bon, la nuit est un petit peu chaude, mais ça va. Voilà. Voilà. Ça, je vous montre ce que je veux. Mais allez, t'es là, toi. J'aimerais bien voir ce chien, comme ça, le Rottweiler. À la maison pour surveiller parce que c'est le meilleur chien de... Surtout le gros là-bas, t'as vu le gros comment il est ? Voilà. Yala, suivez-moi. Allez. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouzoud. On va vous faire découvrir des nouveaux endroits au Maroc. Voilà. En tout cas, c'est une très très belle région. Je suis en train de toujours de filmer. Il y a un petit village là-bas, où il y a là-bas c'est l'hôtel. Et là-bas il y a un petit village. Et entre le village, il y a la descente des cascades. Donc on va descendre, je crois, je ne sais plus combien, si je ne me trompe pas, 646 marches, je crois, pour descendre aux cascades. A savoir que les cascades sont une chute de 110 mètres. Large. Bonjour tout le monde, là voilà, donc on est arrivé à Ouzoud. Regardez-moi ce paysage magnifique, bien vert. Voilà. Une très très belle région. Donc on est arrivé hier soir, on a préféré faire la route la nuit pour pas parce qu'il fait très chaud la journée. Et maintenant on va descendre vers. Les cascades. Venez voir, je vous montre un peu le paysage là-bas. Viens. C'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment hyper beau. Non, comment c'est beau. La nature, vive la nature. Vraiment, c'est super. Et voilà les amis, regardez-moi ça, ce paysage. Regardez-moi ça, le Maroc, comme il est magnifique. Regardez-moi l'endroit. Ouais. Regarde là-bas les gens, ils sont, regarde. Oh, tu vois là-bas, en dessous de l'eau. Mais c'est magnifique. On va descendre jusqu'en bas. Ouais. Vraiment les amis, c'est une très 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 belle région. Vraiment j'adore. En plus le climat il est bien. Là actuellement il fait juste bon. C'est impeccable. Bon, il va faire plus tard, mais pour l'instant c'est vraiment très très bien. Il y a des restaurants en bas, il y a un coin, vraiment c'est super beau. À voir les amis, je vous conseille de venir ici, vraiment c'est trop 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 beau. Et encore c'est pas trop loin. Regardez-moi ce paysage. Hola, comment allez-vous? Mais le terrain, il nous donne, tu peux le prendre. C'est vrai? Oui, c'est mort. Oui, c'est bon.
Pas. Et voilà les amis, il y a des petites boutiques sur le passage, vraiment très très sympa. Un peu de tout, mais c'est magnifique. Ah, cascade, yeah. On arrive dans les cascades de Fozog. Oui, oui. Voilà, donc c'est l'aménagement de santé pédestre qui a été fait, une longueur de 2,2 km, d'accord. On est dans la province de Dalizal, voilà. Donc ils ont fait ce chemin-là pour les gens. Yeah, yeah. Un passage, un escalier. Un. Voilà. Zouin, zouin, bezef les amis, zouin, 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 magnifique, rien à dire. Vraiment, vraiment, on est heureux d'être ici. Et on n'a encore rien vu. En plus, on a notre guide. C'est tout, regarde. Mohamed Amin. Enchanté, comment tu dis enchanté? Je sais pas, il n'y a pas d'enchanté. Zouin, zouin, Ada, numéro. C'est très joli. Merci. T'as vu les sacs en serpent. Voilà, donc il y a des boutiques comme ça où il y a de tout. Sac en serpent. Yann, tu m'arraches les cheveux, Yann. Merci. Le vrai marbre. On trouve ça dans les montagnes. Hein. Toutes les pierres, les fossiles, les ammonites, tout ça. Et un peu de tout. Voilà, c'est une belle, très belle boutique. Ça fait plaisir, ça fait des choses, vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont très, très, très jolies. On a envie de prendre beaucoup de choses, mais. Mais voilà quoi. On fait déjà un passage maintenant aujourd'hui, après on verra bien. On est encore là pendant, je pense, un jour ou deux. Non, Yann ? فيز محمد امين Voilà, c'est magnifique, il y a des endroits vraiment magnifiques avec des petits marchands qui vendent des boissons fraîches. C'est super, super joli. Et toujours la nature magnifique. Ça s'appelle le Titanic, ouais. Et voilà, donc on est presque arrivé. Ouais, on était tout là-haut. On est là. On va aller prendre le petit bateau là-bas. Ça s'appelle le Titanic, le bateau. Titanic, il s'appelle. On peut zoomer avec le téléphone, c'est magnifique. Et voilà, c'est franchement c'est top. Eliane, c'est beau, c'est beau, Eliane. Bon, Eliane est sur mes épaules, donc désolé, ça bouge un petit peu, mais je voulais vraiment partager avec vous cet endroit vraiment magnifique. J'ai presque envie d'organiser un jour un séjour. On loue un minibus et avec les gens qui veulent, on y va tous ensemble. Vraiment, 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 c'est magnifique. Le Maroc est magnifique. Magnifique, magnifique. Attention à la tête, Yann, attention à la tête. On est juste devant, vous voyez. Il y a des petites grottes comme ça, enfin des petites falaises. Attention, Yann.
Voilà. Bon, on va accélérer parce qu'on s'est fait un peu semer. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Je vous dis vraiment. Ouais. On est au pied des cascades. 110 mètres de haut la cascade. Magnifique. Magnifique. Avec les petits bateaux, les bateaux on les appelle les Titanic. Bon, j'espère qu'ils vont pas finir comme le Titanic, mais. Alhamdoulilah, donc ça coûte que 10 dirhams, 1 euro la place. Yalla, yalla, suivez-nous, on va aller sur le bateau. Et voilà, on est vraiment au pied de la cascade. C'est magnifique. On est sur des bateaux qui s'appellent les Titanic. Donc j'espère qu'on va pas couler. Hein. Bon, même si c'est. Dis-le, c'est profond, c'est bon. Je te regarde. Ah, comment ? C'est pas grave, tu peux soulager ton sac et les prises là-dedans. C'est pas grave. Ah. Vas-y, allez. Billy, tu veux sauter? Saute. Descends. Tu peux venir avec la capitaine. Viens. Ouais. On va rentrer dans la cascade. Ouais. Ça rouille à ça. Ah, c'est magnifique. Quelle sensation, les amis. Plongeon de la mort. Ouais, bravo Ya. Bravo Yad. Ah, le nageur Yad. Allez Yann, allez Yann, allez. Vas-y Yann, vas-y. Au cœur de la cascade, tout. On prend la douche. Oui, hein? La douche. Sous la douche. Sous la douche. Ah,
Les enfants courageux, regardez là-bas, regardez. Ils sautent de là-haut. Waouh, waouh, waouh. Et là Et là C'est gelé C'est glacé. Glacé, bah oui, hein. Surveille ton frère Yad. Oui, attends. Une idée de tente. Voilà. Ah, Zouine. Comme ça, la toile, ouais. Zouine, Zouine, gars. Ah, comme une toile d'araignée. Ouais, ma chérie, en plus. Économique, hein, économique. Économique. T'es une belle en plus, Zouine. Voilà. Alors, on est au Havre de Paix. L'endroit s'appelle Havre de Paix. Un endroit tranquille, il y a des rastas, il y a un peu tout, il y a des cafés, restaurants. Vraiment magnifique, les amis. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment, je vous conseille cet endroit. Donc, il faut vraiment venir ici. Voilà. Il y a les petits coins ici. Cascade, les pieds dans l'eau pour se baigner. Ouais. Vraiment, c'est magnifique. La nature, regardez-moi ça. Le Maroc est magnifique. C'est pique. Comment ? Il faut parler avec lui pour la place. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Pour combien ça m'a payé, c'est ça ? C'est pas moi. Il y a un but de terre. Attendez, on va descendre. Viens, on va pas là-bas, on va descendre. Si ta mère elle veut rester sur le truc, c'est pour ça peut-être.